Salut les petits loups! Aujourd'hui, je vais vous lire Le loup et les sept cabris. Première partie. Il était une fois une chèvre qui avait sept cabris. Un jour qu'elle devait aller au bois pour chercher de la nourriture, elle les appela et leur dit « Chers enfants, je vais au bois. Prenez garde au loup. S'il entrait, ils vous mangeraient tous cuir et poils. » Le loup se contrefait souvent, mais vous le reconnaîtrez facilement à sa voix rauque et à ses pieds noirs. Les cabris répondirent « Chère mère, nous ferons bien attention. Vous pouvez partir sans souci. » Peu de temps après, quelqu'un frappa à la porte en criant « Ouvrez-moi, chers enfants, c'est votre mère. Elle vous rapporte quelque chose. » Mais les cabris avaient reconnu la voix rauque du loup. « Nous ne voulons pas ouvrir, » répondirent-ils. « Tu n'es pas notre mère, qui a une voix douce, tandis que la tienne est rauque. Tu es le loup. » Le loup s'en alla acheter un gros morceau de craie qu'il mangea pour s'adoucir la voix. Puis il revint, frappa à la porte et cria. « Ouvrez, chers enfants, c'est votre mère, et elle vous rapporte quelque chose. » Comme le loup avait posé sa patte noire contre la fenêtre, les cabris répondirent. « Nous ne voulons pas ouvrir. Notre mère n'a pas le pied noir comme toi. Tu es le loup. » Le loup courut alors chez le boulanger et lui dit « Je me suis fait mal au pied. Étends de la pâte dessus ou je te mange. » Et quand le boulanger eut enveloppé sa pâte, le loup courut chez le meunier et lui dit « Poudre-moi la pâte de farine blanche ou je te mange. » Le loup se rendit alors pour la troisième fois à la porte, frappa et dit « Chers enfants, ouvrez-moi, ouvrez-moi, c'est votre chère mère qui vous rapporte quelque chose. »« Montre-nous d'abord ta patte, » dirent les cabris. Alors le loup posa sa patte blanche contre la fenêtre et les cabris ouvrirent la porte. Mais qui entra ? Le loup. Ils eurent grand-peur et se cachèrent. L'un sauta sous la table, le deuxième dans le lit, le troisième dans le fourneau, le quatrième dans le coffre, le cinquième dans le buffet, le sixième dans la terrine à relaver, le septième dans la caisse de l'horloge. Mais le loup les trouva tous, à l'exception du plus jeune caché dans la caisse de l'horloge. Il les avala les uns après les autres. Quand le loup fut rassasié, il alla se coucher dans la prairie, sous un arbre, et s'endormit. À plus tard pour la deuxième partie.